Oh, strana taka kaka. Et salut, et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur vendredi 13 où visiblement on a plein de Russes dans le lobby. Ça va être douloureux, ils ont l'air loquaces en plus. Voilà, bon, toi t'as pas de bol, hein, on reconnaît Jean-Kevin là qui est pas content. Ce serait bien qu'on ait Jason. Oh oui! Oh oui, je dis oui! On joue Jason, très bien. Bon bah c'est parti, alors. Alors il y a des couteaux de lancer à prendre là où on spawn. Alors, on fait le plein parce que pour le début ça peut toujours être intéressant. On voit en fait, on voit des impacts là-bas, c'est des sons qui font. Alors on voit que je regarde par là, il doit être ici. Zip, on TP. Là on voit qu'il y a quelqu'un dans la bicoque. Il s'attend pas du tout que je sois déjà là en fait le mec. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir la porte. Bon. Bonjour. Je m'appelle Jason, j'ouvre les portes à la hache. Et là, on lui lance le couteau à la gueule parce qu'il s'y attend pas. Et là, il est dégoûté. Là, il est dégoûté, le mec. Oh bah, t'es trop con. Ah bah alors. Allez, c'est. Et voilà. Et ça en fait un de mort. Ah. Donc là, j'ai le pouvoir pour ressentir un petit peu. Ils font pas assez de bruit autour de moi, donc je ne les vois pas. Je peux aussi poser des trappes, mais je suis pas très fort avec les trappes, donc je préfère. Là-bas, je les vois toujours pas. Par contre, je vois qu'il y a du bruit là-bas, je vais aller direct vers la maison. Les compétences se rechargent, hein, donc on peut pas TP autant qu'on veut, ou regarder comme je vais le faire. Là, on voit qu'il est en rouge. Et plus il a peur, plus on le voit, en fait. Donc, salut Gisèle. Oh là là, elle a eu un coup de frisson, là, elle a crié. Donc ce qu'on va faire pour qu'elle arrête de faire ça... Déjà on va péter la vitre, voilà. Parce que moi je suis un connard, je pète les vitres, on prend le couteau de lancer qui est là. Ça sert toujours, on peut les blesser avec... Surtout que généralement ils nous attendent, ils tournent... Ouais, allez, on va essayer de... Allez, tu prends ça dans ton cul. Alors elle est relou, c'est celle qui court le plus vite. Ah, elle s'est trop fait mal. On peut cancel, ouais, le lancer. Donc là elle boite comme une connasse. Elle a trop merdé. Et en plus elle a pas fermé la porte, on va l'ouvrir. Salut chérie, je suis rentré. Pum. Pum. Voilà, elle est morte. Elle a balancé ses petits feux d'artifice. On s'en fout. On va TP. Parce que les feux d'artifice ça peut me stun. Donc je me rapproche même pas, je m'en fous. Est-ce qu'il y a quelqu'un par là? Il y a personne. J'ai mon troisième pouvoir, le troisième pouvoir il est terrible. On avance super vite, façon Evil Dead. Quelqu'un dans cette maison, non? Ou c'est les feux d'artifice de tout à l'heure qui me font penser qu'il y a du bruit. C'est pas bien, ça. Jason. Allez. On avance. Et donc là, j'ai un Jason qui peut courir. Donc ça va, lui il va... Et là, je suis en train de courir, hein, on va marcher. Voilà. J'ai pas de problème d'endurance, contrairement aux autres, donc je peux les rattraper. Généralement. Yep. Putain, par contre, mon pouvoir... Ceux qui courent pas, par exemple, ils ressentent de super loin les bâtiments où il y a des choses à faire et tout. Allez, on avance. Salut. Ils sont tous là autour de la bagnole. Ça sent la merde. Ça sent la merde. Il crie. J'arrive, bougez pas, vous inquiétez pas. Je suis là. Je suis de l'autre côté. Salut. Alors, là, il y a les deux Jean-Kevin, là, qui courent. Ouais, c'est ça, ils sont trois, hein. On est bien d'accord. Donc on va commencer par lui, qui m'a raté. Ah merde, j'ai raté aussi. Et là on le pécho, et on lui dit... Bisous sur la... Avec la hache, bien entendu. Voilà, tu ne rigoles pas. Ah bah voilà, maintenant tu rigoles. Oh, il se fout à la gueule, dis donc. Bon, il y a l'autre qui était derrière qui a voulu me taper. T'es où, bâtard? Il est là. Alors on va faire le truc d'enculé, c'est zip. Ah, j'étais pas assez proche. Oh, t'as plus d'enduit, toi. Oh. Oh. Ah, on voit pas bien. Manque de caméra de merde. Il est en train de se faire castrer avec une hache, aussi. Donc on est à 4 morts sur 7, déjà. Ils sont mal barrés, hein. Ils sont très très mal barrés. Et là, j'ai ma dernière compétence. En fait, je stalk. Ah, là, elle descend super vite. Je fais un peu moins de bruit. Et je les repère de beaucoup plus loin. Ils ont l'air d'être plusieurs dans cette direction, alors on va y aller. Il y en a deux là. Oh oui, regroupez-vous, vous avez raison. Hop, elle est où la maison? Elle est juste là.
On TP de l'autre côté, ils savent pas trop où je suis. Je suis là. Non, 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 non. Ah, le bâtard. Ah là là, ils m'ont stun. Ils m'ont stun, j'ai l'air con. On dirait que j'ai la chiasse. Très bien. Hé, hey, Jason, bouge-toi. Bouge-toi. Allez, Roger. Ah putain, c'est tellement long. La batte de baseball, c'est l'angoisse. Hein. Allô? Allô? Ouais, c'est bon. C'est bon, tu peux rebouger, tu fais quelque chose. Alors, on les voit, ils sont sur le chemin toujours. Ils doivent être vers là. On TP. Salut! Je suis là. Давай, давай. Tu gueules! Tu gueules! Ah putain, ah là ils m'ont niqué carrément. Faut spam. Il y en a un blessé, s'il se soigne pas tout de suite. Et les deux étaient blessés, il y en a. Ouais, oh, ça y est. Ils se soignent tous les deux ou quoi? Il avait un deuxième. Non! Tiens, voilà, toi t'es mort. Et toi? Viens là. Est-ce que je le tente de l'amener jusqu'à un. Ok, c'est raté. Il y a des finishes. Ah, encore une castration en raid. En fait, avec l'XP qu'on gagne, on va débloquer des nouveaux finishes, etc. Puis ils en ont chacun, forcément. Ah, le dernier a dû. Merde. Il a dû fuir. Bon, bah 6 sur 7, c'est pas mal hein, pour une petite game. Ça permet de voir un peu les pouvoirs en raccourci, hein, parce que là, ils se sont fait doser le cul. Et puis, on va avoir plusieurs Jason. Il y a celui avec la lance, il y en a un avec une pioche. Donc, les finishes sont complètement violents. Et là, bien sûr, il vient faire des bisous à sa maman. Voilà. Hein, on voit un peu l'XP, c'est pas mal. On voit que la barre est bloquée. Hein, comme je disais, donc je ne sais pas trop comment on va faire pour le reste des persos. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à faire tourner tout ça hein, pour qu'on continue à charcuter des gens. Puis on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez!